C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Il est foutu le temps des...